Oh,
ça pour le rêve d'une seule personne. C'est fou quand même. Est-ce que c'est l'accident? Est-ce que les gens se sont dit, voilà, il a eu un accident terrible, on va l'aider, on va tout faire, tout ce qu'il a envie, on va l'aider pour qu'il le réalise. Donc mes parents, mes garçons, mon frère, Susanna qui était vraiment énorme, les filles. Les filles, voilà, Mélodie, Claire, Delphine, Jérémy, Grégory, tous les enfants se sont donnés vraiment... Tu avais raison, c'est tout optimiste, c'est tout à fait normal qu'on agisse comme ça, qu'on réagisse comme ça, c'est tout à fait normal. Hein. Je l'entends pas, maman, derrière. Ah ouais, non, il y a fini, écoute-toi du bureau. Eh ben oui, on est 100% avec toi, et puis c'est normal, hein, tout ce qu'on fait, c'est pour toi. Hein. Bon, bah, je vous aime très fort. Eh ben nous aussi, hein, nous aussi on t'aime beaucoup. Hein. Je reconnais que je suis une personne handicapée qui a beaucoup, beaucoup de chance. Franchement, j'ai un handicap qui est très lourd, qui est très difficile. Mais j'ai énormément de chance d'avoir eu tous ces amis, toute cette famille qui s'est mise en action pour... Je manque de rien, quoi. Je manque de rien, j'ai tout. Tu l'aimes, oui. Ton aventurier? Oui, je l'aime, mon aventurier. Ah bon, tu le suivras partout, tout le temps? Alors là, tu me tireras pas au piège, encore une fois. Ils l'ont fait par amour, et ils l'ont fait par le sens du partage, et pour dire, voilà, Philippe, faut qu'il ait une vie normale. Et j'aime ma vie d'aujourd'hui grâce à eux. C'est-à-dire que voilà, en une fraction de seconde, vous venez d'oublier le handicap. Je ne cherche pas à ce qu'on l'oublie, hein, mais en une fraction de seconde, vous venez de rencontrer Philippe. En une fraction de seconde. She ran away in her sleep.